C'est quoi? Ça vient de Made in Pet. Cool, il y a quoi dedans? Et c'est des cupcakes. Oh, chien. C'est tellement trop chou. Trop fort. Ça, c'est moins ambitieux. Ouais, elle est intéressée par le paquet en fait. Faut pas que ça arrive complètement cassé, ils mettent avec des trucs comme ça. En fait. Non, tu sais quoi, attends, il faudra un truc. Je vais juste prendre un sac parce que. Oh, les bébés cupcakes! Oh. Elle a déjà repéré. Oh, ça sent bon! Chaud. Ça sent trop bon! Ouais! Pour faire des recettes. Moule à 9 muffins. Tu sais, c'est pour faire toi-même. En fait, t'as une partie où c'est des muffins qui sont déjà faits. Oh, c'est trop chou. Mais oui, c'est ça que je te disais, c'est trop mignon, hein. Et une partie pour faire toi. Attends, ça va faire après. C'est trop chou, hein. Ça a l'air beau. Tu sais que moi j'ai le syndrome propriétaire de Cavalier King Charles. Ah. Et toi t'as le syndrome Chihuahua. À chaque fois qu'on voit notre race quelque part, on est genre. Oh oui, c'est bon. C'est un petit poil mignon. Merde, t'as déjà le charbon pour faire des bébés pâtes. Et tellement. Et regarde, attends, t'as le charbon, tu peux découper pour faire des cupcakes. Pour faire des pochoirs. Oui, c'est pour faire des pochoirs. Gâteau pour chien 100% naturel. La recette originale, fraîcheur, exclusivité de Made in Pet, fabrication artisanale et française, numéro 1 en France. Découvrez nos produits exclusifs Made in Pet sur notre site www.madeinpet.fr. Ils sont sur Facebook. On en découpe une des deux pour faire les pochoirs. Celle-là, on la garde, ça fait tellement anniversaire, tu sais. Ouais, pour l'anniversaire de tes parents, là. Pour l'anniversaire d'un chien, tu lui offres la carte. Ouais, avec ça. Ouais, trop. Tommy et Bella. Oh, elle s'appelle Bella. Elle répond à ton nom de Bella. Ouais. Attends. La strade, c'est la marque de tous les trucs en silicone. T'as tous les matériaux, les moules, pour faire les poissons en papillote dans des moules en silicone et tout, c'est ça. Genre, tu peux utiliser aussi pour tes propres cupcakes, pas. Bah, bien sûr, non. Et il y a tout un magasin Mastrad en France avec que des trucs comme ça. T'as la recette pour 18 cupcakes. Et ça, c'est la préparation pour faire les 18 cupcakes que tu mets au four et que tu fais avec ça. Et tu mets les petits sachets avant. Da-da-da-da. T'as vu MIP Made in Pet. Attends, tu vas goûter, Attends. Mais hop les choux. Après. Maga est déjà partie avec en fait. Attends. Oui, c'est bien. Ils ont l'air d'aimer. Et Pixel, tu veux un petit? Tu veux un tout petit? Regarde, c'est trop bien parce que finalement ça fait grand et pour petit chien. Mais t'as vu, c'est génial. C'est au poulet. Pixel, tu veux quelle couleur? Rose. Rose.
coupé en deux en fait. Ouais. Mais tiens, j'ai vu une vidéo sur YouTube, c'est Asa Vidéo. Et elle a deux petits chihuahuas, maintenant elle en a trois. C'est méga chou parce qu'elle les coupe en fait. Pour les donner au toutou. Poulet, je te laisse goûter si tu veux, parce que moi, végétarienne, ça va pas le faire. Par contre, prends-moi des fraises. Ah, c'est moi qui l'ai goûté. On est touriste. Qu'est-ce que tu veux? Bah, elle a goûté poulet, elle a goûté ça, on sait pas ce que ça. Et maintenant, il faut qu'elle goûte framboise. Mais en fait, je sais pas à quoi ils sont ceux-là. Sur la recette, peut-être? C'est... saveur canard. Tu m'étonnes qu'ils aiment ça. Ouais, elle va t'en revenir, hein, là. Elle va servir dans la boîte. Oui. C'est bon, hein. Oui, ah, c'était bon, hein. Tu veux que ta maman te fasse des cupcakes pour ton anniversaire? Ah, ouais. Non, mais au moins, tu le gagnes, ton cupcake. Ouais. Milo? Bah oui, ça fait poulet et fraises. Tu sais que mes chiens seraient ravis de manger que ça. Encore. Ouais. Et Lara, on voit pas de la journée après. Mais Baïka, elle est de retour, t'as déjà fini? T'as goût de framboise. Une goût de framboise. Non, c'est un autre tour maintenant. Vous en avez eu plein. Baïka, arrête de baver. Je trouve super mignon comme ça emballé en fait. C'est trop chou. Tu veux un verre? Elle va roter à chaque. Elle va roter à chaque fois qu'elle en mange. Elle est trop chouette. Attends. Le truc qui est pas gentil pour le chien. Tu manges la friandise du chien sous ses yeux. C'est pas bon. Mais y a pas de sucre. C'est vrai. On va partager. T'as vu ce que c'est dessus? C'est du papier à mâcher. On dit qu'il n'y avait pas de sucre dedans. En fait, j'ai demandé parce que moi, j'aime pas donner des choses où il y a du sucre. Je pense qu'on donne déjà assez de choses aux chiens et tout pour le sucre, pour le diabète, pour. J'aime pas trop. Donc en fait, eux, ils mettent du miel dedans. Moi, je trouve pas que ça a le goût de fraise, hein. Ou de framboise. Oui, moi, j'ai eu un morceau dedans. Ah, ok, bah, j'ai pas mangé jusqu'au morceau. Bon, je vous en donne un dernier et puis après. Après, ça suffit. Un là et un pour Baïka. Tiens, Baïka. Oui, bah oui, ça vient. Mais ça vient. Ça vient, ça vient. Voilà. Bon, bah du coup, les chiens, ils ont adopté. Ça, c'était framboise et fraises. Ça, on dit donc, c'est dévalisé. Hein. Ça, c'était poulet. Oh. Ça, c'était canard. Quelle différence de taille. C'est trop chaud. Petit ou grand. Oh, c'est bien pour l'enfant. Ça a l'air super sympa et en plus c'est vachement bon, ils ont adoré ça. Et là c'est bon, on n'a même plus besoin d'avoir de la manger pour ce soir. Tu m'étonnes. Ce qu'on pourrait faire, ce serait que la prochaine fois on teste la recette en vidéo pour voir, pour montrer aux gens si c'est bien aussi simple que quand on les reçoit déjà préparés et si les chiens ils apprécient. Puis vu qu'il n'y a que du jus de viande pour ceux qui sont à la viande, ça peut être pas mal aussi de rajouter des petits morceaux de poulet ou des petits morceaux de lardon comme ça pour faire des petits croquants à l'intérieur. Oui, trop. Ah, Baïka, on fait ça? On fait une recette? On va tester, hein. On essaye? Oui. C'est très joli comme c'est présenté. En fait, les emballages, ils sont super sympas. Les petits trucs comme ça, ça donne des idées déjà. Bon, en tout cas, les chiens, ils ont adoré, ça c'est clair. Oui. Baïka, elle en veut encore. Elle en a déjà mangé plein, alors on va pas trop abuser. Je suis contente. Ouais. Je suis contente d'avoir pu essayer ça parce que c'est vraiment original, c'est super chou.